Bonjour, bonjour. Michel? Give me the phone stand. Give me the phone stand, the pink one. Bonjour, Ruffine. Thank you. J'ai une beauté innocente. All right. Maintenant que j'ai mes deux trépieds, on peut commencer. Bonjour, bonjour. J'ai très bien dormi, vraiment. J'ai un peu stressé dans la nuit par rapport au match qui arrive. Non, je blague, j'ai pas stressé du tout. Et c'est qu'on va gagner, donc. On est derrière les lions. C'est que quand tu es hors du Cameroun, si tu es là, ceux qui vivent dans d'autres pays africains, là, aujourd'hui, si vous sortez avec vos maillots, on va vous détester. Je ne sais pas pourquoi. Au Gabon, on a fait voir des couleurs. Tu mets le maillot, tu sors avec. On se déteste un peu, mais bon. Ça, c'est juste un détail. Ok. Il y a les matins, je me dis, peut-être que je ne dois pas faire un direct. Merci beaucoup, Chai. Merci. Il y a les matins, je me dis, peut-être que je ne dois pas faire un direct. Et il y a encore le Seigneur qui me rappelle l'importance des mots qu'on se dit. L'importance pour chacun d'entre nous. Malheureusement, beaucoup d'entre vous, vous êtes dans une position, dans une posture où vous êtes en train d'essayer de reconstruire votre vie. C'est-à-dire, je peux dire 70% de mes directs sur les personnes que je reçois ici. Et quand je consulte une personne, j'ai beaucoup de femmes mariées non accomplies. Marie avait 3-4 enfants. J'ai une dame, je reçois une dame l'autre jour. Ouais, on est mariés depuis plus de 16 ans. Merci Larissa. Et l'excuse de la dame, elle dit, ouais, il s'occupe bien de ses enfants. Ok. Il s'occupe bien de ses enfants. Ok. Qu'en est-il de toi? J'ai essayé de faire un business. Il ne veut pas. Il dit qu'il faut seulement que je cherche un boulot. Mais elle sait. Et elle me dit toujours les mêmes choses. Enfin, vous me dites toujours les mêmes choses. Je sais que j'ai un potentiel en moi. Je sais que je peux. Donc, je sais que je suis pas en train d'exploiter ce que je. Je sais même pas quoi vous dire. Je n'exploite pas mon potentiel. Et c'est ce que la dame me dit. Je dis d'accord. Il s'avère donc qu'elle a toujours voulu faire son propre business. Il a refusé. Et il a dit, si tu ne vas pas chercher le boulot,
Tu laisses, je ne vais pas financer ton business. Donc, elle a racolé, cotisé l'argent à la réunion. Et je demande donc, avec tous ces 16 ans de mariage-là, tu as fait quoi? Oh, j'ai fait les enfants. Tout son palmarès, c'est qu'elle a fait les enfants. C'est assez délicat parce que si vous ne faites pas attention, vous allez finir votre vie en ayant juste vos enfants. Qu'est-ce que je passe à mes enfants? Qu'est-ce que je montre comme exemple à mes enfants? Si je vois mon enfant demain dans ma situation, est-ce que je serai contente? Est-ce que je laisserai mon enfant dans ma situation si jamais elle avait cette même situation demain? Bonjour, hein, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Partagez le direct, ça va aider d'autres personnes. Ou bien ne partagez pas. Hein. Merci à ceux qui ont partagé. Donc, je vois cette dame devant moi, très jolie. Elle a maximum 42 ans. Beaucoup de potentiel. Tu es allé à l'école, tu as les diplômes, tu as la maîtrise en quelque chose. Avant de commencer les enfants, tu avais bien fréquenté. Et après être resté à la maison tout ce temps, tu dois te reconstruire. Tu dois. Ta confiance est partie, évidemment. Parce qu'on n'oublie pas que de l'autre côté, quand tu regardes la carrière de l'autre personne, voilà, depuis 16, 25 ans qu'on est ensemble, il a gravi les échelons, il a eu des promotions, maintenant il voyage, il va dans plusieurs pays pour faire le tour, enfin, le boulot l'emmène partout. Ok, mais vous savez très bien que quand l'argent, malheureusement c'est votre situation, beaucoup d'entre vous, quand là, tout ton argent vient toujours d'une autre personne, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Et ça diminue ton sens de toi. C'est un peu comme si ça prenait quelque chose. C'est un peu comme si ça diminuait quelque chose dans la personne. Toutes les femmes mariées que j'ai comme cliente, là, j'ai une autre. Le mari peut lui donner parfois 3 millions par mois. Hein. Mais elle dit toujours, je veux mon propre argent. Et c'est bizarre parce que c'est comme s'il fait l'effort pour que tu n'aies pas cette stabilité-là quelque part. Psychologiquement aussi, la femme aussi, bon, la femme ne peut pas tenir quelque chose jusqu'au bout. Tu vas tenir, on va te dire non, il faut que je t'occupe des enfants. Tu peux tenir les enfants, tu fais le business en même temps. À un moment, tu dis, ouais, c'est vrai, je me sacrifie. Ou tu es Jésus, ou je ne connais pas. Donc voilà, je me sacrifie pour les enfants. Tu laisses. Tu restes à la maison. Donc, je me retrouve avec beaucoup d'entre vous. Très intelligente, hein? Certains d'entre vous êtes plus intelligentes que vos maris, hein? Plus intelligentes que le monsieur. Et pour lui, le fait de savoir qu'elle peut ne plus avoir besoin de moi. Donc, elle peut rester comme ça. Demain, elle dit qu'elle prend son vol, elle part aux États-Unis, elle fait 2 semaines de vacances, elle revient sans me demander. Non. Ça devient impensable pour la personne. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous avez commencé quelque chose, il a toujours essayé de vous déstabiliser. Regardez vous-même. Celle-ci, par exemple, me dit qu'elle a cotisé la réunion, elle a ouvert le magasin. Elle vend des beaux trucs. Mais le monsieur en question, il ne sait même pas là où le magasin se trouve. Il n'a jamais voulu savoir. Tu vois, quand tu vis avec quelqu'un, tu te lèves le matin, tu dis que ah, je vais pas au magasin. Il ne veut pas savoir comment c'est. Il ne veut pas savoir comment tu fais pour payer le loyer. Ah, mon frère, moi, je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas comment vous faites. Moi, vous vivez des situations bizarres quand même. Thank you, monsieur Greg. Merci, Pierre.
Je voudrais que vous sachiez que je disais même à une dame l'autre jour que ça va commencer par l'écoute d'abord. On dit que la foi vient par l'écoute et l'écoute de la parole. Donc vous allez écouter mes vidéos, vous allez écouter d'autres personnes, ça va vous encourager un peu. Ça va vous encourager de temps en temps. Un moment, tu vas quitter de l'écoute. Tu as dit, il faut que je me lance. L'écoute vous permet de construire la confiance en vous. Donc, le processus, hein, la femme que tu étais il y a de cela 15 ans, elle est encore en toi. Maintenant, ce n'est pas comme ça. C'est pour ça que beaucoup, vous commencez, vous ne tenez pas, vous tombez. Vous devez être sage. You have to be clever. Je vous le dis tout le temps. Il y a des livres en ligne que tu peux écouter. Le livre va te permettre quoi? Premièrement, tu apprends ce que d'autres personnes ont fait. Deuxièmement, tu prends de la sagesse. You get wisdom. Il y a le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. C'est un livre qui ne périra jamais. Quand tu lis, tu vas apprendre des choses sur le leadership. Il y a des livres qui vont t'apprendre à économiser l'argent. Il y a des livres qui vont te donner la sagesse sur le management. Il y a des livres qui vont te donner la sagesse sur la gestion du temps. Et ce qui vous tue aussi beaucoup, c'est que vous voulez commencer grand. Ne cherchez pas à commencer grand. Ce n'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Hein. Il y a les femmes ici là que tu ne sais pas comment, tu ne sais pas qui les sponsorise. Moi, je fonctionne à mon rythme. Que quelqu'un ne vient pas me dire, oh, tu es maintenant une influenceuse. Oh, tu es maintenant. J'ai dit, monsieur, ne me mets pas ton rythme. Je peux aller voir une autre fille là-bas qui se fait des voyages dans les jets privés. Je ne sais pas qui la sponsorise. Je ne sais pas qui est son gars. Donc, c'est ça qui vous dérange, c'est que vous, tu as une femme, peut-être, elle commence. Elle va t'écouter deux livres. Après, elle va se dire, j'ai besoin de 5 millions pour commencer un business. Dis, ouais, ma chérie. Tu es là, tu n'as même pas 50 000. Parce que pour l'argent, tu dois apprendre à créer l'argent. Tu dois apprendre à gérer l'argent. Tout ce que je vous dis, ça a un rapport avec le travail spirituel. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des relations où, spirituellement même, quand vos maris sont sortis, sont arrivés là-bas, ils ont fait des choses pour vous attacher vous-même à la maison. Mais vous voulez seulement vous détacher. Donc, moi, les astuces pour me détacher. Quand tu vas te détacher, si tu n'as pas une stratégie, ma chérie, même s'il n'y a plus aucune attache, tu vas rester à la maison. Et c'est ce qui vous dérange. Vous préférez garder la tête vide. Je vous dis toujours, vous devez être belle et vous avez quelque chose dans la tête. Pas les filles qui sont belles et bêtes. Tu attends seulement qu'un homme vienne pour payer ton loyer. Tu attends qu'un homme vienne pour te donner l'argent pour que tu fasses ton business. Parce que même les 5 millions d'actions si on te donne et que tu ne connais pas gérer 50 000. Ma chérie, 5 millions là, tu vas finir ça en moins de 2 mois. En moins de 2 mois, les 5 millions là seront finis. On va te demander ce que tu as fait, que tu ne vas pas savoir. J'ai récemment quelqu'un qui m'a dit, ouais, donne-moi, on faisait une collaboration. Après, quand j'arrête avec la personne, dit, ouais, lance-moi, donne-moi 3 millions. J'ai dit, mais tu ne connais pas. Gérer 100 000, je te vois gérer 500 000.
On dépose 5 millions dans ta tête, dans ta main. Hein. Les problèmes de 5 millions vont atterrir dans ta main. Bonjour Frédéric. Et c'est cette sagesse qu'on ne vous a pas appris à l'école. C'est cette sagesse que très rarement tu vas voir, tu vas sortir avec un homme qui a ce business qu'il est en train de faire. Ça, c'est des choses comme ça, on apprend généralement dans le tas. Les choses que je lis dans les livres américains, avec le management, la gestion de l'argent, quand tu fonctionnes avec les papas américains qui ont un peu d'argent là, qui ont de l'argent, pas qu'un peu, parce qu'il y en a qui ont l'argent, tu vas voir que leur façon de gérer l'argent, ils sont pas là, ils ne peuvent pas te lire un livre de débat à la fin. Hein. Mais cette façon de gérer l'argent là, il a la même stratégie que les gens des livres. Maintenant, vous qui lisez beaucoup, il y a d'autres que vous lisez beaucoup, vous lisez, c'est dans votre tête. Parce que tu as un conseiller, les gens, gnagnagnagna. Mais même 5 francs, vous n'avez pas. Voilà une autre catégorie de personnes, même pas arriver sur vous aujourd'hui. Miranda, ce que je suis en train de dire, ça va t'aider plus que le match. Tu as suivi, non? Apprenez à regarder ce qui est essentiel et important. Et c'est ça, avec vous rejetez la sagesse. Vous rejetez. Quelqu'un prend du temps, il te donne quelque chose qui va t'aider. Tout est qui t'intéresse le match. Alors tu vas prendre le ticket de 500, tu vas aller parier. En espérant avoir 15 000. Natiz, tu as bien dit, commencez à investir. L'argent, tu dois commencer, tu dois apprendre à garder l'argent. Tu dois apprendre à investir l'argent. Et quand tu as le retour sur investissement, tu dois savoir comment réinvestir l'argent. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut se contrôler quand il voit l'argent dans sa main. La preuve, il y a certains magasins que vos maris vous ont fait dans les 10 dernières années, ils ont ouvert combien de shopping? Tu as eu 2 shopping, non? Lovely, tu as commencé le kit fondation et tu vois la magie sur ton fils. Hein. Tu fais des crises à chaque fois que tu pries. J'avais dit qu'il faut travailler encore plus sur ton fils. Comment investir si on n'est pas libre facilement? Il y a les gens qui peuvent, ont leur page, ils vendent les choses en ligne. Il y a des dons. Écoutez, l'autre jour, j'ai fait un direct. Allez sur ma page de Give Digger Academy. Ceux qui disent que j'ai les mains percées, moi, je suis une investisseuse. Donc, quand on touche ma main aujourd'hui, maximum dans 3 jours, ça doit être, c'est sorti. Donc, si on investit, il veut dire que j'ai les mains percées. C'est que j'ai même percé plus. Mais je suis une investisseuse. Donc, ne confondez pas investir et quelqu'un qui a les mêmes PC. L'argent, tu dois d'abord apprendre que je peux voir l'argent devant moi. Je ne dépense pas. Et pour moi, la règle de base, quel que soit ce que je veux ouvrir comme business, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Si tu as un projet là maintenant, tu me dis que tu attends que quelqu'un vienne te donner l'argent. Hein. Oublie. Oublie. L'homme le plus riche de Babylone, j'ai tellement parlé du livre là ici. Ça, c'est l'un des livres qui m'a marqué, qui m'a aidé, qui a changé mon mindset. The Richest Man of Babylon. Le livre est petit, c'est basique. Mais il y a des règles d'or dedans. Et faire même la tontine, ce n'est pas tout. Hein. Tu peux porter la tontine, la semaine où tu portes la tontine, tu as tous les problèmes. Donc, 2 jours avant de porter la tontine, telle personne meurt. Tu as telle dette qu'on te dit qu'on paye immédiatement. Tu peux porter la tontine, tu viens déposer seulement là-dedans comme bien. Donc, la tontine ne sort pas quelqu'un de la pauvreté. Donc, fais très attention. J'ai dit que le main percé, ce n'est pas un problème. C'est seulement que vous ne savez pas comment dépenser votre argent. Et vous ne savez pas comment résister à la pression.
Parfois, tu parles, tu peux rester comme ça. Tu as un problème de 100 000. En ta possession, tu as 20 000. Pour Titi Garage, tu dois appeler. Tu vas arriver à la polyclinique Sende, à Yaoundé. C'est le local de Yaoundé là-bas. Polyclinique Sende. Tu appelles le numéro, c'est le 655-31-0750. 655-31-0750. Sandrine, tous les numéros sont sur la page. Et si tu appelles dimanche, je ne pense pas qu'on travaille dimanche. J'ai un seul secrétaire qui travaille dimanche. Donc, Sandrine, il faut être assez patient. Tu prends le numéro, tu appelles, on va t'indiquer. Voilà. Tu prends l'argent. Tu as un problème de 100 000. Tu as en ta possession 20 000. Peu importe la pression qu'on te met, tu ne peux que donner 20 000 ans. Changeons maintenant les choses. Tu as 100 000, tu as un problème de 100 000. Quelqu'un dit Dieu va sortir ses 100 000 pour donner, non? Je dis que c'est idiot, hein? Je dis c'est idiot. On ne rembourse pas une dette avec la totalité de son argent. Même la personne qui a 20 000, tu ne dois pas sortir tes 20 000 pour donner. Tu dois savoir gérer la pression. Voilà, madame payée, madame payée. Mais ils sont amenés à la PJ. Tu dois dire, parce que c'est la loi, Même chez les Blancs, on connaît. On ne peut pas te demander plus que ce que tu n'as. Que ce que tu as, voilà. Donc si c'est 20 000 que tu as, tu dois prendre le tiers de 20 000. Tu dois dire, voilà ce que j'ai. Le mois prochain, je vais encore vous donner le tiers de ce que j'ai. Et c'est ce que l'homme le plus riche de Babylone enseigne. Ce livre-là, ça enseigne ça. L'auteur, c'est George Clayson. Bon, il explique dans le livre que quand tu travailles, il parle du fait que si tu es pauvre, ça veut dire que tu as d'abord les dettes. Il dit la première chose à chercher, c'est une source de revenus. Quelque chose qui va te donner de l'argent chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. Et je sais qu'il y en a parmi vous. Vous ne pouvez pas. Ah, moi, je ne peux pas m'aller vendre ça. Je ne peux pas aller faire ça. Parce que vous avez des trucs dans votre tête que vous ne pouvez pas vous faire. Tu peux vendre les fruits. Tu portes les fruits sur ta tête. Tu marches avec ça dans la bassine à Douala. Tu fais les crêpes. Tu marches avec. Tu vends aux gens. Et ça te donne l'argent. Tu as jusqu'à tu économises l'argent pour faire quelque chose. Ce qui vous dérange, c'est la stratégie. Vous n'avez pas la stratégie. En commençant le travail, cherche d'abord ce que tu peux faire le plus facilement. Donc, ok, si j'ai besoin d'argent, on est lundi. On a mangé ce soir. Tu as raté peut-être le marché Sanaga du matin. C'est le marché Sanaga là. On m'a dit que tu pars là-bas le matin, tu peux ramasser les vivres frais là. Ce qui tombe des sacs des femmes là. Tu ramasses ça gratuitement. Tu rentres au quartier. Tu vends en détail. Il y a tellement de petits business. C'est comment ça? Quand il parle comme ça, là, voilà encore un autre qui vient dans ma tête. Tu passes dans ton quartier. Je suis sûr que dans peu importe le quartier où tu vis, dans n'importe quel pays, tu as des femmes dans ce quartier qui ont besoin de quelqu'un qui peut faire les courses pour elles. Il y a des femmes très riches. Moi, quand je réfléchis pour le business, je fais que le business des gens qui sont riches. Parce que c'est que celui qui est riche va valoriser ton temps et va te payer. Et si tu peux faire rendre ton service avec assiduité, pas que tu viens, tu veux le premier jour qu'on te donne 100 000 pour que tu ramasses les poubelles. Tu prends le pape, tu vas chercher le format où tu coupes le cahier de l'enfant à la maison. Tu écris sur ça. Tu as une belle main d'écriture quand même. Bonjour, si vous avez besoin de quelqu'un pour faire vos courses, voici mon numéro. Si vous avez besoin du ménager, voici mon numéro. Tu arrives, tu cibles les bonnes maisons et tu sonnes dans toutes les maisons. Tu sonnes dans toutes les maisons que tu peux trouver. Bonjour, vous avez besoin que vous fassiez vos courses pour vider vos poubelles, pour faire le ménage, pour faire... Tu ne peux pas parcourir 20 maisons sans qu'il y ait au moins une personne qui te dise « Ah, maman, si tu tombes bien, j'avais besoin de toi aujourd'hui. » Parce qu'il y a toujours les imprévus. Tu peux aller le matin ramasser les vivres frais, comme j'ai dit là.
Tu ramasses quelques feuilles que tu peux vendre à 5 000. Après ça, tu peux au marché. Il y a les marchés que tu peux, il y a les bons endroits que si tu t'assois là-bas, la mairie ne va pas te déranger. Mais quand vous êtes tellement fier, vous êtes trop fier. Je vous dis, j'ai les clientes qui vendent de la tomate. Et elles viennent acheter des kits de 55 000 chez moi. Elles paient les consultations de 30 000 chez moi. Tu cherches un endroit, tu t'assois, tu vends. Ça veut dire que sans aucun argent, à la fin de la journée, tu as peut-être 5 000. Tu as besoin de transport à te prendre 500 en fonction de la ville où tu te trouves. Si tu n'as pas l'argent, prends le taxi, marche un peu, après tu prends le taxi à 100 francs. Tu marches une bonne distance, après tu prends la moitié du tarif du transport. Les 4 500 que tu achètes le foléré. Voilà comment vous êtes. Vous fuyez, oui, il ne peut pas faire ça. Tu prends ton téléphone, tu mets la connexion de 500. 500. Tu cherches la recette du jus de ginger. Recette du foléré. Recette des beignets. Et si tu dis que tu vas vendre ces choses-là, va chercher la bonne recette. Ne fais pas ta chose comme tout le monde. Ne fais pas la moyenne. Fais le genre que si tu quelqu'un goûte ton beignet une fois. Quand ils vendaient les beignets, j'ai vendu les beignets en beignet. Et il y a des règles du business que j'ai appris quand je vendais les caramels en beignet, quand je vendais les croquettes en beignet, quand je vendais les beignets en beignet, quand je coiffais en beignet. Voilà, après la fermeture de l'entreprise où j'avais travaillé 12 ans, aujourd'hui j'ai une épicerie. Voilà. Il y en a même parmi vous, vous êtes dans d'autres pays, tu es en Côte d'Ivoire, tu es au Gabon, tu as tes soeurs au Cameroun. Envoie tes soeurs au marché pour te composer les épices là. Elles écrasent. En poudre si tu veux. Ou bien on fait. Tu as les épices du poisson, non? Je vous assure qu'au Gabon, les épices au Gabon, c'est du n'importe quoi. Même à Malabo, les gens ne mangent pas bien. On écrase ça, on emballe bien. Ou bien on n'écrase pas, on compose juste, on emballe, on attache bien pour que l'odeur la reste. On te poste ça. Tu reçois maintenant, tu écrases. Tu mets dans les petits petits sachets ou les petits petites boîtes. Ici au Gabon, il y a des endroits où ils vendent, les Libanais ont des endroits où ils vendent beaucoup de boîtes moins chères. Tu peux avoir une boîte à 250. Tu mets les épices dedans. Je ne parle pas mal du Gabon, monsieur Marachi. Absolument pas. Je vis au Gabon. Je parle de la nourriture. Pour moi, quand il y a quelque chose dans un pays qui n'est pas comme dans un autre pays, c'est une opportunité de business. Donc, si tu vois le mal dans ce que j'ai parlé, tant mieux. Donc, tu mets les épices dans les boîtes. Tu peux faire l'autre partie où tu fais une grosse boîte avec ce qu'on peut goûter. Ou tu fais même frire le piment. Hein. Œuf piment là, non. Tu fais frire. Et dans ce que tu vends, tu laisses cru. Tu écrases, tu mets dans le sac à dos. Tu marches avec en haut. Tu passes dans chaque maison ou chaque boutique. Quand je vendais mes beignets en Europe, je mettais dans le sac. Je porte le sac le matin, je marche. C'est comme ça que j'ai appris à parler. Je ne parlais pas l'anglais. Bonjour, je vends les beignets. J'avais le sachet où il y avait le goûter. Dès que je savais que si tu mets mon beignet dans ta bouche, tu vas acheter mes beignets. Si tu je dis que je veux seulement que tu prends, tu mets dans ta bouche. Dès que tu dis non, non, I don't want it, no. I said no, just try one. Just one now. Je prends, je coupe, comme ça, pour moi, c'est moelleux. Tu regardes, tu dis, ah, are you sure it's nice? I say yes. Je coupe, je te donne, tu manges. Ah, it's nice, oh. Yes. C'est seulement un pain pour 5 beignets. Tu dis, ok. Parce que c'est là tous les jours, là, tu me donnes. Et j'avais fait les beignets de telle façon que tu pouvais conserver. Parce qu'il fait froid en Europe. Donc, ton beignet, tu veux le manger sur 3 jours. Ce qui fait que je passais dans les magasins tous les 3 jours. Je ne passais pas tous les jours. On sait visible le côté cela. Demain, je pars à Coventry. Après, je pars peut-être à Wolverhampton. Je ne faisais pas trop Wolverhampton, mais plus Coventry. Birmingham et Coventry. Pour les épices, tu passes, tu demandes aux gens de goûter. Dès que les gens la goûtent, ou tu peux trouver des magasins, tu arrives, tu leur demandes, ok, si ils déposent ma chose ici là pour que vous vendez.
Et quand tu fais ça, tu dois avoir, il y a plusieurs sources de revenus. Pour le marché où tu peux ramasser les choses le matin, tu peux vendre des épices, tu peux vendre après, les feuilles vertes là, les vivres frais, pardon. L'autre là, tu n'as pas besoin de mettre un argent dedans, c'est ton temps. Donc, il y a plusieurs façons de se faire de l'argent. Au début, quand tu n'as pas d'argent, cherche quelque chose qui ne demande pas de l'argent, mais juste ton temps et ton énergie et qui te donne de l'argent. Quand tu reçois cet argent maintenant, cherche maintenant à prendre cet argent, fabriquer quelque chose, donner quelque part à quelqu'un d'autre pour qu'il vende. Pardon. Tu peux te déposer dans une boutique. Tu peux voir quelqu'un. Il y a des femmes qui vendent de la nourriture au Cameroun, elles n'ont pas de boisson. Tu achètes ta glacière. Céleste, quand tu veux la recette de mes beignets, va sur YouTube, tu mets ta connexion de 500, tu regardes la recette des beignets. Tu comprends, ma chérie? Et parle de ceci tous les jours. Va en ligne, tu peux pas regarder 3 vidéos YouTube sans avoir une bonne recette. Peu importe la nourriture de n'importe quel pays. C'est même pas comme il y a cela 10 ans qu'il n'y a pas de recettes. Il y a tout en ligne maintenant. Une blanche peut préparer le tarot en regardant quelque chose sur YouTube. Donc, quand tu as un peu d'argent, ça peut être 5 000. Vous savez qu'on peut folérer au Cameroun à 5 000. Au départ, tu n'as pas l'argent de la glacière. Et ça veut dire, fais pas le folérer parce qu'il n'y a pas la glacière. C'est comme ça que vous êtes. Achète la glace de 500 ou de 1000 francs le matin. Tu sais que si tu achètes la glace à 10 heures et la femme vend la nourriture à 12, de 12 heures à 14 heures, à 15, 16 heures, il y aura encore la glace. Tu achètes le seau au marché, le seau de 500 ou de 1500. Les boîtes de trucs là. Les boîtes de Tanguy, non. Les boîtes d'eau là. Tu passes seulement dans les boutiques, tu dis qu'est-ce que quelqu'un achète le jus ici là. Les boîtes dans lesquelles il a bu, vous me donnez après. Par boîte, tu peux lui proposer 25. C'est ce que tu vas vendre. Ou bien tu peux proposer même 10 francs. Tu peux même le regarder, tu dis que ouais, je veux lancer mon business. Tu le supplies, non? Il dit ok. Il te donne gratuitement. C'est quand ça commence à bien donner maintenant. Quand ça commence à bien donner. Maintenant, tu peux dire que ok, bon, maintenant je peux te donner un certain montant pour les boîtes. Parfois, tu peux regarder les fêtes. Il y a des endroits où il y a les fêtes. Tu arrives à la fête là-bas, tu demandes à la personne que pardon, à la fin, ou les boîtes, les gens qui les boîtes de nuit. Peu importe la façon trouvée. Tu achètes la glace. C'est que, ok, avec telle glace, et tu peux mettre les fruits sur ça. Ce qui fait que quelqu'un mange après, il prend un fruit. Et les fruits peut-être du matin, là, tu as ramassé peut-être un fruit ou tu as acheté un fruit, je ne sais pas combien. Tu divises, tu mets dans les plastiques, tu mets dans la glace. Et je dis bien, l'argent que comme tu as pris le premier business, que tu as pris tes 4 500 chaque matin, là, tu fais ça sur une semaine. Et tu as eu 4 500 de bénéfices chaque jour en ramassant les choses au marché. 4 500 fois 5 jours. Donc tu vas te retrouver avec, supposons 4 000 fois 5. Tu as 20 000 déjà pour une semaine. Supposons que tu fais seulement ça. OK? Et que tu vis chez quelqu'un à qui tu as demandé le canapé pour dormir. Ça veut dire que tu vas te retrouver à la fin de la semaine avec 20 000, à la fin du mois avec 80 000. Sur les 20 000 là, ou bien sur les 80 000 le mois, tu divises en deux. Nourriture et loyer de la maison là où tu es. Parce que ce qui est énervant sur vous, c'est que quand vous commencez à avoir l'argent, vous ne voulez pas aider les gens qui vous ont hébergé. La personne qui t'a hébergé, s'il reste, il voit, tu sors chaque matin, tu pars, tu pointes, il ne sait pas ce que tu vas faire. Et tu reviens, tu lui donnes un peu d'argent. Ce sont les lois de l'argent. Ce sont les lois financières. C'est que vous allez faire 6 mois chez la personne, vous allez travailler seulement, travailler, vous n'allez jamais donner l'argent à la personne. Ce n'est pas bien. Dieu t'aide quand il sait que tu n'as pas. Mais quand tu commences à voir, celui qui te nourrit là, souvent comme ça, tu dis que chaque jour tu sors même 1000 francs de ta poche. Tu dis que mamie, augmente ça sur l'argent de la nourriture. Donc ça veut dire que si tu gagnes 80 000 au mois en ramassant seulement la nourriture le matin en revendant, transport, on enlève tout ça là. Quand tu divises, on peut dire que pour lancer ton business, tu te retrouves avec 8 000 la semaine. 8 fois 4, ça fait 32. Donc sur 80 000, il te reste 32 000 propres que tu peux prendre et injecter dans le business.
Au bout d'une semaine déjà, tu peux prendre l'argent là, l'argent du foléré. Tu peux déjà avoir le foléré qui tourne. Vous savez que pour fabriquer le foléré, ça ne demande pas beaucoup d'argent. La première semaine, tu vas acheter le seau, tu vas acheter les glaces. Ce qui fait que tu vas te retrouver. Après, tu ne dépenseras plus beaucoup d'argent. Maintenant, tu vois les femmes qui vendent le foléré en gros. Tu dis qu'au lieu d'acheter des sachets de 100 francs chaque jour, tu peux acheter le foléré de 1000 francs ou le foléré de 2000. Tu achètes beaucoup de sucre, je ne sais pas. On commence toujours un peu. Dans ton quartier maintenant, tu vois une femme qui vend la nourriture. Tu déposes chez elle. Et votre problème encore qui fait que quand vous faites le business, vous devez être fair en français, c'est quoi? Vous devez être équitable. Donc, tu ne peux pas venir déposer ta glacière ou bien ton seau avec des jus et quelques fruits chez quelqu'un. La personne vend pour toi, puisque tu n'es pas là. La personne vend pour toi. Et quand tu viens porter tes choses, tu ne donnes pas un peu d'argent à la personne. Je sais que c'est ça que vous aimez faire. Parce que le business, c'est l'argent. L'argent lit ton esprit. Est-ce que je peux venir chez la femme si? Elle est trop ingrate. Elle est ingrate. Je suis venu chez elle, elle n'a pas partagé, elle n'a pas donné pour telle personne, elle n'a pas donné pour telle personne. La femme là, tu lui dis que c'est chaque bouteille qu'elle vend. Si elle a vendu ton jus à 100 francs, chaque bouteille de 100 francs qu'elle vend, elle a 25. Tu arrives sur place en portant ta glacière, tu retires ses 25 par bouteille, tu lui donnes. Ce qui fait que, je ne sais pas comment je peux vous dire, tu peux peut-être te faire 50 francs par bouteille de 100 francs que tu vends. Et tu es sûr que si elle passe maintenant, supposons dans le quartier, dans la zone là, tu vois 5 femmes qui vendent la nourriture. C'est comme ça que tu vas multiplier tes points de vente. Tu te retrouves en 2 mois, tu n'avais pas d'argent au départ. Tu es maintenant avec plusieurs points de vente. Maintenant, il te faut quoi? Il te faut des gens qui vont aller déposer les choses. Il te faut maintenant prendre quelqu'un avec qui va travailler avec toi. Voilà comment mon business est. Vous aimez tous les business avec le chiffre d'affaires de 100 millions. Non. Celui qui fait le business de 100 millions aujourd'hui, si tu regardes bien comment il a commencé, quand il te raconte son histoire, il va te dire qu'il y a de cela 18 ans, je ramassais les bouteilles, je vendais. Je partais chercher la bière à la friperie, je revenais, je revendais. Et les principes qu'il a appliqués à l'époque qui l'ont permis de grandir, c'est les mêmes qu'il applique aujourd'hui. Donc, quand les personnes, tu vas prendre maintenant d'autres personnes, le tout dans le business, c'est que tu dois chercher ce qui va multiplier ton argent sans que tu ne sois là physiquement. Ta présence physique n'est pas requise. Et la personne à qui tu déposes, tu t'assures qu'elle a sa part dedans. Si bien que la personne ne sera pas tentée de te couper le business, hein, ou numéro 2, couper, c'est-à-dire arrêter de travailler avec toi, ou t'escroquer. C'est pour ça que tu as donné une part qui est équitable. Fair share en anglais. It has to be fair. Les règles que je vous donne sont les règles qui s'appliquent pour celui qui vend pour 100 francs, pour celui qui vend pour 100 millions, pour celui qui vend pour 5 milliards. Donc, après, tu peux te dire que, ok, maintenant, tu commences à acheter les grosses mamites. Tu as l'entreprise du foléraire. En 3 semaines, 4 semaines, 1 mois. Tu prends maintenant quelques petites filles au quartier. Il faut que tu les motives maintenant, non? Genre, ok, venez à l'heure. Ok, ben peut-être tu vois une petite fille qu'elle a accouchée peut-être à 15 ans. Elle a maintenant 18 ans. Sa mère ne s'occupe plus d'elle. Tu la prends, tu lui dis, non, ma chérie, tu sais quoi? J'ai besoin, souvent les matins, entre 10h et 12h, je veux seulement que tu viennes, tu te balades, tu déposes mes glacières ou mes seaux dans 5 endroits. Ça te fait peut-être tes 3 000 par jour. Alors, on t'a accepté 2 000. Mais maintenant, le fait seulement qu'elle sort pendant les 2 heures de temps là, elle part et dépose dans 3 endroits. Elle revient, tu donnes 3 000 francs. Ça fait que quand tu peux embaucher alors peut-être 2 ou 3 filles, quand tu les déploies, toi tu es toujours sur place. Maintenant, ils te font un cahier pour garder les records. Pour, ce qui fait qu'elle dépose, maintenant elle doit cocher et déposer tel nombre de bouteilles chez telle personne. Et tu as décidé, tu as déjà vu avec la personne même qui vend. En donnant ton argent, elle retire sa part, elle donne le reste. Ce qui fait que les filles la passent le matin, toi tu passes le soir pour récupérer l'argent. Dans le business, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est juste. Avec qui Dieu n'est pas juste. Donc même si quelqu'un vient, il escroque ton argent. Je vous le dis. Tu vas tomber sur quelqu'un qui va te donner le sang. Donc ce qu'on t'a volé là, même 100 fois ou 10 fois.
Parce que le, c'est comme une loi, c'est une loi. C'est même pas que c'est comme une loi. Quand tu fais que tu es juste et que toutes les personnes avec lesquelles tu travailles, à toute échelle, tous les échelons, chacun tire sa part. Tu vois que ta part va venir et ça va toujours augmenter. Et si quelqu'un essaie même de te prendre quelque part, cette partie qui prend là sera remplacée. Ce qui fait qu'on vous escroque, c'est parce que vous êtes très injuste, vous êtes égoïste et vous êtes ingrat. Viens, je n'ai pas encore. Quand j'aurai, je vais te donner. Elle t'héberge depuis 6 mois. Elle ne t'a pas demandé de payer quelque chose chez elle. Maintenant, depuis 3 semaines, ton argent commence à entrer. Tu viens, tu dors, tu prétends, tu manges toute sa nourriture. Tu fais comme tu n'as pas l'argent. Voilà les choses qui vous tuent. Et ne t'assois jamais chez quelqu'un. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu ne contribues pas avec quelque chose. Jamais. Voilà les choses que vous... Ah non, c'est ma tante, non. C'est ma soeur, non. Ah, non. Et qui est? Ce n'est pas ta mère. Même si c'est ta mère, hein, c'est d'un âge. Tu peux quand même te gêner que non. Il faut quand même que je participe. C'est pour ça que vous avez une maison familiale bloquée. Et c'est encore chez mes parents. Il n'y a pas la malédiction sur toi, ma chérie. C'est toi qui te bloques. Donc, en te lavant, dis que Seigneur, s'il y a quelque chose que je fais qui me bloque, montre-moi. Et délivre-moi de moi-même. Vous aimez trop quand vous console en disant non, c'est ta tante qui t'a fait ça. Non, toi-même là, tu es ingrate. Oui. Quand ta mère s'occupe de toute ta tante là, tu crois qu'elle fait comment? Le loyer qu'elle paye chaque mois là, elle paye le loyer là, tu crois qu'elle fait comment payer? Et te couche dehors. Tu rentres, on a préparé, tu peux ouvrir la mamie, car tu manges. Tu déposes l'assiette, c'est quelqu'un d'autre qui lave. La nature est très juste. Bonjour, Céline. Vous savez, vous-même, quelqu'un parle mes choses, il ne parle pas pour que ça vous plaise. Je m'en fous. Je vous montre ce qui vous bloque. Je vous montre ce qui vous bloque. Tu vas voir parfois une famille comme ça là, c'est une famille de vaurien. Ils sont tous là comme ça. Je dis, mais on vous a élevé que comment dans la famille ici. Et dès que tu attends que quelqu'un vienne, quand tu as l'esprit où tu peux prendre ton business, tu commences seul. Tu as une idée, tu pars en ligne, tu développes, tu ouvres ton site toi-même. Tu fais tes étiquettes. Tu achètes des boîtes, tu mets des produits dedans, des produits cosmétiques. Beaucoup d'entre vous avez lancé vos marques de cosmétiques, c'est vous-même qui avez fait. C'est vous-même qui avez fait. Donc, ce que vous avez toujours, vous attendez que c'est quelqu'un qui vienne pour faire pour vous là. Vous n'avez pas besoin de ça. Je ne parlerai pas des astuces spirituelles aujourd'hui. Hein. Parce que j'ai beaucoup de clientes là, beaucoup d'entre vous. Vous faites les bains, mais il y a une sagesse. Ce sont les conversations que vos mères n'ont pas souvent avec vous. Et c'est pas comme si vous avez peur de vous. Hein. J'ai dit, attends un peu. Tu vois pas que ta fille, elle a 30 ans. Tu t'occupes d'elle, tu t'occupes de son enfant. Parce que c'est ta soeur. Non. Mon père m'a beaucoup aimé. Un jour, avec un certain âge, mon père, il a arrêté de s'occuper de moi. Je me lève un matin comme ça, j'ai dit que yeah, Ok. Je dois chercher comment on travaille. Et quand j'étais jeune, quand j'avais peut-être 18, 19 ans, c'est quand je redoutais le moment où j'allais devoir commencer à travailler pour moi-même. Et donc, si je redoutais ça, I was dreading the time I'm going to start working for myself. Because I didn't know I was going to be enough, you know. Et je suis tombée dans le business, je n'avais pas le choix. J'ai commencé par faire d'abord les lots. On avait des amis, on s'est entendu, ok, on prend la maison, non. Ils disent oui. On avait 3 amis. Non. Les amis là disent que non, on prend la maison, on prend la maison. Moi, j'ai besoin de 700 pounds. On a besoin de 700 pounds. Après, dès qu'on prend la maison, on devait prendre et payer le loyer, diviser le loyer pour payer ensemble. Non, ils disent que non, je ne prends plus. Ouais, j'ai eu tel problème. On se retrouve dans une grande maison avec un grand loyer à payer. C'est une maison de 5 chambres. Allez, vous savez quoi? On a mis la publicité en ligne là, sur Gumtree.
On a commencé à chercher les gens pour venir faire de la colocation. Et en cherchant, on n'avait même pas. On s'en se retrouve à chercher les lits. C'était en Angleterre. Ça, c'est mon copain et moi. J'avais 21 ans. Donc, ça, on cherche les lits en ligne. On a trouvé le lit peut-être à 70 pounds, je ne sais même pas. On a acheté, on a mis dans la chambre. Après, on a vu son entrée payée. On a mis dans deux personnes dans deux chambres. On dit que non, on peut faire la fête ça. On peut faire ça. On peut faire la fête ici. We can do it. Après, il me dit, tu sais quoi? Commence à tresser. Coiffe les gens. Je commence à coiffer aussi les gens. Je coiffe. Par semaine, je pouvais coiffer trois fois. 150 pounds la semaine, en moyenne. Et j'avais aussi un autre centre de coiffure où je partais. Et le soir, je faisais le cleaning. Oui, c'est une chambre 700 pounds. Ça, c'était en 2009-2010, en Angleterre, à Birmingham. Maintenant, je crois que ça peut être dans les 850, parce que les choses ont un peu changé à Birmingham. On peut devenir cher. Comme ça, je me retrouve et commence à coiffer. Après, je me retrouve, je faisais aussi le cleaning, 2 heures de cleaning. Donc, le cleaning, c'était de 5 heures à 7 heures. Et quand je faisais le cleaning, comme ça, tu sais que par semaine, le cleaning devait donner peut-être 100 pounds. Parce qu'il payait 6 pounds 50 de l'heure. Donc, si tu faisais 12 pounds par jour, 12 pounds, 12 fois 5, ça fait 50 quelque chose. Donc, tu as peut-être parfois 250 pounds par mois. Donc, ça, on cotisait les petits agents à gauche, à droite. Après ça, je me suis retrouvée en train de faire quoi? On a décidé qu'on va faire le conteneur pour envoyer en Afrique. Hey. Je ne parle même pas. Il y a les faux SMS que MTN envoie souvent aux gens là. Je suis à l'étranger, ils m'envoient le SMS. Je ne clique pas sur le SMS, ça vient de me couper 1200 francs de crédit. Hé, hey, MTN, pourquoi vous faites ça aux gens? My God. Anyway. C'est le roaming, hein. Ça m'énerve. Le roaming, là, m'énerve. Est-ce que vous imaginez que la minute au Gabon avec MTN, c'est 3000 francs? 3000 par minute. Pardon, on dit comme ça. Oh my God. Escroquerie organisée. Ils sont comme ça là. Donc, la plupart du temps, on se retrouve dans le business. Parce qu'on a voulu. Peut-être ton mari t'a abandonné avec les enfants. Tu as les idées. Tu dors dans la nuit comme ça là. Dieu te donne les idées. Il faut que tu te lèves. Vous avez désactivé mon crédit, est fini. Donc, je pense qu'ils vont plus. Ils vont pas trouver l'argent pour retirer dans mon téléphone. $2500 pour 1 giga pendant une semaine. Alors, laissez-le cela comme ça. Bon, je reviens sur ce que je disais. Chez moi, ça fait tellement longtemps que je dois hustle. Ça fait tellement longtemps que je dois... Si bien que ça fait partie de moi. Quand je me lève le matin, je comprends que si je ne me lève pas pour travailler, personne ne va le faire. Si je ne paye pas mon loyer, personne ne va se pointer pour dire « Josie, j'ai payé ton loyer. » Et de sur quoi les enfants? Donc, vous devez avoir un mindset. Tu dois avoir un mindset, une mentalité qui te fait comprendre que si je ne if I don't show up, nobody's going to show up for me. Si je ne me pointe pas pour cette chose-ci, personne ne va le faire. Et quand je comprends déjà ça, c'est pour ça que tu peux te permettre d'être dépressive longtemps. Tu peux te dire, oh, j'étais en dépression pendant un mois. Qui va payer ton loyer, ma chérie? Allez, lève-toi, let's kick the day. Lève-toi, on attaque la journée, ma chérie. Oh, tu sais, je me sentais pas bien. Quoi? C'est la pression que tu as ou les objectifs que tu as qui vont déterminer la niaque que tu auras. C'est ça qui va déterminer la niaque que tu auras. Donc, vous devez... Pour moi, en fait, quand je vois quelqu'un, je sais un peu dire, la vie ne te demande pas.
Parfois, tu restes, ah non, moi, je n'aime pas que ma soeur me manque de respect. Non, ma chérie, tu manges sa nourriture, tu dors dans sa maison, c'est elle qui paie le loyer, qui s'occupe de toi. Donc, if you think you're big, you're grown enough, get your Je ne veux pas parler de mots ici là que TikTok va bloquer. Porte, soulève ton popotin de son canapé. Le match que tu vas regarder tout à l'heure, qui a payé l'abonnement? Non, dites-moi. Qui a payé l'abonnement de match que vous avez regardé tout à l'heure? Ce sont vos soeurs, non? Comme tu as assis dans le canapé là, même la connexion sur laquelle tu es branché, c'est la connexion de qui? Hein? Moi, il n'est pas comme un manque de respect. Elle ne me parle pas comme ça. Non. Et c'est pour ça que je le dis, même aux membres de ma famille. Ne venez pas dans mon environnement me déranger. Don't try. Si je me lève, je dis voilà mes objectifs, voilà ce que je veux faire. Tu viens dans mon environnement. Je ne vais pas, I'm not going to bend. Je ne vais pas me tourner ou me baisser ou arrêter ce que je faisais pour toi. Que j'ai un rythme, j'ai des objectifs. Et c'est ça qui doit vous motiver. Si tu es encore au point où quelqu'un va venir te supplier, que ouais, lève-toi, tu dis non. Va ouvrir la boutique aujourd'hui, non. Poste ça en ligne, non. Vends, non. Et quel est. Maître Yang, c'est la connexion du voisin. Hein? C'est que tu n'es pas encore arrivé. Non, you're not there yet. Tu n'es pas encore digne. Laisse ça. Tu vois, il voit un gars, il dit au moins, ma femme me manque de respect. Monsieur, qui paye le loyer à la maison? C'est ma femme. Elle va me respecter, je suis l'homme de la maison. Tu es l'homme, tu fais quoi? Parce que je pense qu'on a, les gens ont un peu inversé les choses dans notre société. Et du coup, tu peux avoir d'autres personnes qui abusent tellement de toi et qui te font la psychologie inversée. Tu te rends compte, c'est toi qui paies toutes les factures. C'est toi qui es dehors depuis 5 heures en train de travailler. Tu allais exposer les choses au marché, tu es en train de vendre depuis. Tu m'écoutes comme ça, tu es en train de vendre. Ou tu es en train de brûler ton maïs pour vendre aux gens. C'est pour ça que j'ai voulu être indépendante très vite. Que ce soit financièrement, même émotionnellement. Parce que l'idée du fait que c'est quelqu'un d'autre qui va venir et me dire ce que je dois faire, ou encore. Il y a ce truc-là, il y a ce chantage émotionnel qu'on fait souvent là. Je n'aimais pas ça. Parce que mon père était très cash avec moi depuis le départ. Ma chérie, si je te sors mon argent chaque mois, tu fais ce que je dis. Maintenant, si tu penses que tu es la grande fille et que tu sais ce que tu veux, ma grand-mère disait aussi tout le temps, sors de ma maison, ne mange plus ma nourriture, va dans ta propre maison, paie ta nourriture toi-même. C'est là maintenant qu'on va parler. Et tant que tu es sous mon toit, tant que c'est moi qui sors l'argent pour te donner, tant que c'est moi, tu manges ma nourriture, tu n'as pas la parole. Pour moi, c'est ça qui me booste. Donc, et je dis toujours, il faut être clever, tu dois être sage. Sois une jeune femme qui est intelligente. Sois un jeune homme qui est intelligent. Faut pas seulement être au quartier comme ça, tu es belle. Et quand tu commences ces choses-là, tu dois oublier la beauté. Ta beauté passe en arrière. Laissez-moi la beauté, laissez ça. Laissez-moi vos bêtises là. Tu dois être à la mode. Tu dois, tu as eu un petit bénéfice de 500 000. Au lieu de prendre l'argent, tu peux investir. Hein? Non. On voit la personne avec une nouvelle chaussure de 55 000. Un polo de 70 000. Beaucoup d'entre vous, quand vous avez l'argent, c'est ça quand même que vous partagez, non? N'est-ce pas? C'est le make-up que tu peux acheter, non?
Souvent, je vois une jeune fille qui vient comme ça en consultation. C'est sa mère qui a payé la consultation. Hein. Tu vois les ongles de la fille. Tu sens que ça, c'est moi les ongles qu'elle est partie payer 20 000 pour faire. Ok. Tu vois le téléphone Android de la fille. Parfois, c'est le téléphone qui a trois yeux là. Tu dis, ok. Tu vois les chaussures de la fille. Tu sens que c'est une chaussure qu'elle vient d'acheter. C'est moi les 5 000 là, les bagous de 5 000. Je ne parlerai pas de la fleur de Jericho, ma chérie. Tu as compris? Ce qui fait que la personne arrivée devant toi, elle va te dire, je n'avais pas l'argent pour payer la consultation. Je n'avais pas l'argent pour faire, je n'avais même pas l'argent pour lancer un business. Je m'interpelle. Là, on voit ce qu'il y a sur toi. Dans les 7 derniers jours, tu as dépensé au moins 30, 45 000 sur toi. Laissons même que tu ne venais pas payer la consultation avec l'argent là. Tu n'aurais pas pu prendre l'argent là, tu investis sur quelque chose. Dans les premières années d'un businessman ou woman, tout ce à quoi tu penses, c'est investissement. J'ai un peu d'argent, je peux mettre ça sur quoi? Peut-être tu as le rêve d'ouvrir un restaurant. Ok, il te faut les mamies chauffantes de 200 000, il te faut la cuisinière, il te faut. Tu prends un breakdown, tu vois, ok, il me faut ça. Tu vas en brocante, tu regardes. Tu cibles une cuisinière industrielle, peut-être à 300 000. Tu dis, oh, monsieur, chaque mois, il vient te donner 50 000, mets ça de côté pour moi. Je t'assure qu'au bout de maximum 2 mois, tu auras à payer. Tu auras à payer les 350 000 là. Parce que dès que tu vas avancer 50 000, tout ton esprit va maintenant converger vers la cuisinière. Je dis souvent à mes employés que tout ce que vous voyez, vous arrivez dans l'entreprise, parce que mon local de Douala est très grand, même pour Yaoundé est grand. Le local que vous voyez là, je ne l'ai pas acquis comme ça. Là. J'ai ciblé l'endroit, j'ai regardé. Et parfois, quand j'ai regardé, je n'avais même pas l'argent pour aménager tout en un coup. Mais je ne vous parlerai que d'argent aujourd'hui. Hein. Je ne vais pas parler de spiritualité. C'est que je ne vais même pas faire les Japap, ni les. Je ne vais rien faire, ni le Congo ça. On sait que quand arrive ici là, ça n'intéresse pas. Il peut seulement se déconnecter, clair. J'ai des moments où j'ai regardé quelque chose que je voulais. On dit peut-être pour le loyer, tu as besoin de 3 millions pour la première année. Je regarde, je n'ai pas 3 millions de la cash. J'ai 500 000. Je cherche à rencontrer le bailleur. Bonjour, monsieur le bailleur. Voilà. Je lui montre ce que moi mon projet, ce que je veux faire. J'ai au moins eu 2 fois au Cameroun où j'ai pris des maisons comme ça. J'avance les 500 000. Je vous assure, généralement, moins d'une semaine, je reviens encore avec 1 million, je donne. Maximum, au bout de 3 semaines, j'ai appelé 3 millions. Parce que quand tu prends la maison, il faut l'aménager. Donc, ce n'est même pas tout. Ce qui vous manque souvent, c'est que vous n'avez pas la foi pour cibler d'abord. Deuxièmement, ose. Ose. You have to dare. On dit dare. Bonjour, Klaus. Stéphanie, bonjour. Quand tu t'avances, ton esprit va savoir que non, elle veut, elle a la foi. Les consultations se font à distance. Le numéro est sur la page TikTok, c'est sur la page Facebook. Je ne vous contacterai pas moi-même inbox. Donc, si quelqu'un vous écrit avec mon logo, c'est un scammer, c'est pas moi. Si vous voulez le numéro, c'est sur la page. Il y a le lien sur la page. Si cliquez dessus, ça va vous amener sur là-bas. Donc, si quelqu'un vous écrit avec mon nom, ce n'est pas moi. Moi, je vous dis à cash. Si vous partez vous faire scammer par une autre personne et prendre votre argent, ce n'était pas moi. Voilà. Et quand vous prenez la consultation, commencez à vous laver avec le sel. Si vous ne lavez pas avec le sel, je ne vais pas vous consulter. Je ne vais pas vous consulter. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, mes astuces vous aident parce que vous aviez ces idées, vous avez déjà commencé. Les astuces que je vous donne et le travail spirituel que je fais avec vous, ça vient compléter votre mindset.
Je sais que vous aimez toujours le genre que tu. Oh, je veux que tu me fasses le remède comme quelqu'un va. Je vais rester sans ça qui va me donner l'argent tous les mois. Pardon. Je préfère plutôt que tu me dises les astuces. Ok, je fais ça, ça, ça. Et puis, j'augmente mes business. Donc, c'est très important que vous compreniez la différence. Olga, bonjour. Voilà lundi. Voilà lundi. Voilà votre semaine qui commence. Avant de mettre votre projet à la poubelle encore, ou bien de le mettre au frigo que j'attends encore, sachez que vous pouvez commencer ça dès aujourd'hui. Ton plan d'abord doit être clair sur le papier. Beaucoup d'entre vous. Non, mon projet est dans ma tête. Quelqu'un me demande l'autre jour, oh, donne-moi combien de millions là. Je dis que c'est pour faire quoi? Non, j'ai mon projet dans ma tête. Tu ne me fais pas confiance. Je dis non. Quand il s'agit de mon argent qui sort de ma poche, je suis désolée. Hein? Même j'ai ma soeur. Même j'ai mon gars. Et je vous ai toujours dit que hein, les gens qui refusent d'investir sur vous, c'est parce que vous venez comme les mendiants. Tu ne peux pas venir avec un business. Les gens des Dragon's Den, là, les shows qu'on voit à la télé tous les jours. Tu viens devant lui avec un business, tu dis que j'ai fait en 3 ans de business, j'ai mis mes 5 000 pounds dessus, j'ai mis 20 000 pounds dessus, j'ai eu un profit de 70%, return of investment. 70%. Tu montres, tu prouves que le produit au départ c'était ça. Après ça a évolué, maintenant c'est ça. Maintenant c'est dans les canettes. Je vends dans tel nombre de pays. Et quand tu viens de demander l'argent à la personne, dis-lui que si tu investis telle somme, je te retourne telle somme. L'Africain a toujours la mentalité du mendiant. Oh Seigneur. Mentalité du. Ça, c'est des voleurs. Tu es sur quelqu'un, tu vas escroquer. Même si c'est ton oncle, même si c'est ton gars. Supposons que tu tombes sur un business que tu as pris tes 50 000, tu as mis. Le premier mois, tu es ressorti de là avec 200 000. Tu as pris les 200 000 encore. Tu as encore réinvesti. Tu as eu ton travail, bosser, vendre, faire et tout. Ça t'a donné 400 000. Tu as pris les 400 000, tu as encore remis dedans. Maintenant, tu as 1 million, tu viens voir ton peu importe qui. Parce que quand quelqu'un commence à avoir l'argent, il comprend les lois du business. J'ai des personnes très riches qui m'écoutent. Hein. Je sais que vous n'avez pas besoin de moi, mais seulement de m'écouter, ça vous plaît. Je sais. Je parle parce que ça, c'est chose que j'ai découvert plus tard, après avoir trop galéré. Et j'aurais aimé que quelqu'un me dise ces choses-ci. Et vous connaissez les Camerounais, non? Les Camerounais partagent très peu leur savoir. Le Camerounais a une mentalité là qui est très bizarre. Il trouve quelque part qu'il peut bénéficier de quelque chose. Il ne va pas dire aux autres. Ce qu'ils vous disent, là, même vos mères ne vont pas vous dire. Même vos pères ne vont pas vous dire. Donc, je ne vois pas quelqu'un, même ton oncle. Tu as un oncle là qui a toujours un peu d'argent là. Il est en bain. Prépare ton PowerPoint. Voilà, princesse, tu ne m'écoutes pas depuis. Moi, le problème, c'est le début. Je n'ai pas de fonds de commerce. Voilà votre problème là-bas. Ma chérie, j'ai parlé de ça. Il y a le replay sur Facebook. Il fallait regarder. Voilà votre problème. Je suis sûr que ça fait 6 ans que tu pleures le fonds de commerce. Ça fait 6 ans. Tu sais comment tu aurais pu devenir riche en 6 ans? Il n'y a pas de fonds de commerce. Et c'est sûr que tu as pas le travail, tu es à la maison, tu es assise à la maison. C'est comme ça que vous êtes. Tu es sur TikTok, tu fais des vidéos avec 5 vues, tu te fais belle. Étudiant, ce n'est pas un handicap. Hein. J'ai beaucoup. Je suis étudiante, fais-moi le rabais. Je suis étudiante, fais-moi le rabais. Les étudiants sont trop. Vous avez une mentalité de pauvre, les étudiants, je ne sais pas pourquoi. Je dis que tu as ton oncle en bain. Fais le foléré. Peut-être vous croyez que fais le foléré. Je vous ai parlé du business du foléré. Dans ton amphithéâtre, tu as les étudiants comme toi.
Je suis sûr que tu peux faire la belle. Tu ne veux pas qu'on te voit en train de vendre la nourriture. Donc même avec les jus, tu ne veux pas que. Tu as cherché même ménager, tu n'as pas trouvé. Ma chérie, ne commente pas parce qu'elle veut trop te laver, c'est là. Parce que moi, je connais vos mentalités. Quand elle te lit même ton premier message, je vous vois là. Non, je veux commencer avec 5 millions. Si j'avais même 500 000. Dans l'amphi où tu as au moins 500 élèves. Dans l'université où tu pars, tu as au moins 10 000 étudiants. Fais le jus, tu peux te déposer devant un des vendeurs là. Non, il va faire la même chose que moi. Non, eh, Seigneur Jésus, pardon. Quitte avec ça, pardon. Comment ça veut le fouler, comme je disais. Étant le business plan que je viens de donner ici, sur 3 mois, quand ça commence à donner, tu peux traquer tes dépenses et tu traques et tes revenus. Mets ça sur un papier. Tu as contacté ton oncle qui est en Bengla. Tu lui montres que tonton, j'ai commencé avec mon propre argent parce que les gens aiment ça. Que j'ai commencé, on m'a donné un argent pour le mois. On m'a donné 25 000 pour le mois. Comme c'était au début du mois. J'ai pris sur ça, j'ai pris 15 000, j'ai lancé tel business tonton. Aujourd'hui, qu'il n'était pas là, tonton, j'ai 250 000. Quand tes premiers 50 000 vont entrer, tu vas prendre pour acheter la bière avec. Voilà ce qui vous tue. Oh, les jeunes filles, si vous savez comment mon cœur, vous m'énervez en même temps, je vais vous taper. Moi, quand j'étais jeune, je n'étais pas bête. Quand j'étais jeune, je n'étais pas bête. Non, 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 non. Tu me trouves, bonjour Côte Célo, tu me trouves que je suis toujours en train de faire quelque chose. Oh, je n'ai pas coiffé. J'en ai parti chez une cliente là, c'est à 1 heure de route. Oui, oui, oui. Quand je faisais première, ma grand-mère m'avait forcé quand j'ai passé le couvatoir à apprendre à coiffer. Ça m'a énervé. 3 ans plus tard, je me retrouve en bain. J'ai perfectionné la coiffure que j'avais dans les doigts. Voilà, Audrey disait qu'elle dit en fac, elle faisait le ménage dans 3 maisons. Quand une fille est paresseuse, elle est paresseuse, elle vous dit. Étant en bain, on peut faire quel genre de business puisqu'on n'est pas sur place au pays. Il y a les business en bain. J'ai prêté mes 1 million à un ami aujourd'hui, il m'a bloqué. Vous aimez souvent porter votre argent, vous donnez aux gens par affinité. Ton ami t'a prouvé ce qu'il allait faire avec l'argent là. Il t'a prouvé ce qu'il allait faire avec l'argent là. Ça, c'est l'une des règles du business. On ne sort jamais son argent pour donner à quelqu'un à qui on ne voit pas les preuves. Mais t'as, il te donne cadeau, je dash, je dis que prends cadeau. Je vois. Il voulait ouvrir le salon. Quand quelqu'un vient te demander l'argent, tes 1 million là, c'est un argent que tu avais travaillé dur pour avoir, non? N'est-ce pas? Tu portes tes 1 million, 1500 euros. La personne vient se mettre, il parle le sweet talk. Non, ça va marcher, mon frère, fais-moi confiance, mon frère. Non, tu me connais, tu es ma personne. Moi, mon agent. Même si tu me fais l'amour, pour Joa, tu me fais, donc tu es encore dedans. Que B, donne-moi 1 million, 5 millions. Ah, vous ne me connaissez pas. Moi, on m'a trop grillé ici dehors. Il dit que fini, là-bas, tu sors. D'accord, fini, essuie. D'accord. Tu as fait quoi avec? D'accord, je vais faire. Où est d'abord ça? Où est le début de ça? Non, moi, tu vas voir, tu ne me fais pas confiance. Quand tu me dis que tu ne me fais pas confiance, il te dit que je ne te fais pas confiance. Parce que la vie, hein, je fonctionne avec les faits. Je fonctionne pas avec les paroles. Moi, je prends les gens par leurs actes. Je crois ce que tu me montres. Je ne crois pas ce que tu me dis. Je crois pas ce que tu dis. Ah non, tu sais, moi, je regarde le magasin de telle personne, c'est moi qui ai lancé ça. Hein. Non.
C'est pour ça que quand tu pars à la banque, tu demandes le prêt. La banque te dit tu dois faire un apport. Prouve-moi que tu travailles. Montre-moi ce que tu as économisé toi-même. La prochaine fois que quelqu'un te demande 1 million, demande-lui de te donner 100 000. Je t'assure. Ok, tu veux 1 million, hein? D'accord, envoie-moi 200 000. Envoie-moi 200 000. Si le gars n'a même pas 200 000 quelque part, ne tente pas. Ne tente pas. Emman, tu dis que je suis drôle. Non, quand tu as trop fait ça, vous parlez de quoi? Quoi? Non, quand tu fais tes regards, c'est bon, là. Hein? Tu me fais confiance. Tu avais dit quoi? Hein? Apporte-moi 200 000, je te donne 1 million. Ça fait que tu me dois 800 000. Maggie, va sur Facebook. Tu vas voir plein de mes vidéos. Je m'en ai les idées là. Cette personne là qui m'a fait les publicités sur mon direct, je vais te bloquer. Hein. La personne qui est sur TikTok, tu me parles que des visas là, je vais te bloquer. Quand tu crois que je cherche les gens pour consulter là, que consultation s'il vous plaît. Le nom de Facebook c'est The Gift Digger Academy. Si vous connaissez, écrivez ici là comme ça on voit. Je vous dis que ça c'est un filtre pour que les gens vous laissent tranquille avec les prêts qu'ils vous demandent chaque jour. Quelqu'un vient te demander 2 millions, demande-lui de t'envoyer 400 000. S'il porte ses 400 000, t'envoie. Prends 2 millions, tu lui envoies. S'il ne peut pas te faire confiance avec ses 400 000, comment toi tu vas lui faire confiance avec tes 2 millions? Vous-même là, vous ne tenez pas votre argent. Hein? Parce que l'une des règles de l'argent, les règles financières, quand tu gagnes l'argent, parce que c'est comme si c'est un test que tu vas subir. Dès que tu gagnes l'argent, les problèmes vont venir pour sortir, pour prendre l'argent de ta poche. Quand tu bouffes la réunion, oh, il y a tel problème, je dois aller à l'hôpital. Tu sais, les enfants sont malades. Oh, on doit faire les funérailles du père finalement en décembre. Tu fais comment? Voilà, mon grand-père me disait, tu veux qu'on te donne 300 000, et d'abord 200 000. Voilà. Malheureusement, pour vous, vous ne pratiquez pas beaucoup. Vous connaissez, mais vous ne mettez pas en pratique. Quand les problèmes sortent, c'est à pas de test. Et parfois, tu portes 1 million pour donner à la personne. Ça, tu as tout ton devoir derrière, c'est 2 millions. Hein, ou bien 1 million 5. Et pardon, écrivez des Gift Digger Academy ici, là, la personne la voit. Écrivez ça sur TikTok. Tu économises ton argent pendant 6 mois. Un gars vient, il te fait l'amour. Oh bébé, le bébé. Oh chérie, je t'aime. Oh chérie, tu sais, j'ai arrêté à cause de toi. Moi, j'étais bien parti pour faire ceci. Je devais devenir millionnaire d'ici 6 mois. Voilà ça, accessoire ami de Gift Digger Academy. Tu portes ton argent. Ouais chérie, je te fais confiance. Hein. Je te fais confiance. Hein. Et... dès que tu vas donner l'argent là, ma chérie, observe son attitude. Ça va changer. Observe. Et quand quelqu'un est avec toi pour l'argent, ne te voile pas les yeux. Ne te voile pas les yeux. Mais tu avais moi pour mon argent. Mais oui. Mais c'est clair.
Oui. Et aussi beaucoup de frères qui font ça à leur sœur, comme ton oncle qui a fait ça à ta mère. Le problème, c'est qu'il y a aussi des personnes dans les familles qui sont très. Donc, depuis l'enfance, même si tu ouvres les yeux de ta mère n'importe comment, elle n'allait pas comprendre. Tu parles à ta mère n'importe comment, elle n'allait pas comprendre. Donc, c'était peine perdue, il faut laisser. En fait, beaucoup attention à vos frères. Moi, je suis très stricte. Vos enfants aussi, il y a certains de vos enfants qui vont vouloir vous escroquer. Ah, ta mère ne t'écoute pas, elle a pitié de lui. J'espère que tu ne donnes pas l'argent à ta mère. Si c'est l'argent à ta mère qui gaspille, pas de souci. Parce que quand tu parles, quelqu'un n'écoute pas. Si c'est son argent qui dépense, ça va. Mais il ne faut pas qu'elle demande, oh, je veux l'argent, tu portes, tu lui donnes. Quand tu portes, tu envoies, elle porte, elle donne à son frère. Non, c'est qu'elle ne t'envoie plus l'argent. Jusqu'à, je ne blague pas, c'est qu'elle ne t'envoie plus l'argent. Les gens simplifient l'argent, m'arrête. Je travaille ménagère pour prendre soin de moi et soutenir ma mère. Voilà. Un jour, mettez là. Tu faisais trois boulots de ménagère. Tu t'occupais de toi, tu t'occupais de ta mère. C'est le frère de ta mère, raison de. Bah donc, si sa mère veut continuer à avoir pitié, qu'elle ait pitié. Moi, Kofi Gombo, no pity in business. Pour moi, dès qu'on parle argent, on n'est plus dans la donne, on n'est plus dans l'amour, on n'est plus dans la famille. Dès que vous dites déjà que donne-moi telle somme, même si c'est mon cousin qui demande, c'est ma tante. Dès qu'on dit argent, j'oublie la relation qui est entre nous. Parce que si c'est mon argent qui sort de ma poche, d'où j'ai pris l'argent là, la personne ne m'a pas donné parce qu'il était mon ami. C'était sûrement un client. Est-ce que vous-même n'avez pas pitié de de vous-même? Supposons que tu sors, tu pars, tu travailles, les aides-soignantes là, tu nettoies les fesses des blancs là, pour avoir l'argent. Tu ne dors pas, tu fais les nuits longues là, 12 heures sans dormir. Donc pour toi, c'est facile, quelqu'un vient aussi, parle seulement bien, tu portes ton argent, tu lui donnes. Tu n'as pas pitié de toi-même. Donne alors, tu peux encore souffrir, non? Il n'y a pas de problème. Et pendant que tu travailles l'argent avec tes mains, tu dois réfléchir comment tu vas investir cet argent. Parce que quand l'argent vient et que tu n'as pas d'utilisation pour cet argent, très sûrement, un problème va sortir, tu vas facilement laisser. Parce que quand l'argent vient et qu'il y a déjà une énergie qui a été déposée sur l'argent, il y a déjà un pouvoir, il y a déjà une directive qu'on a donnée à l'argent. C'est pour ça que vous devez avoir des projets. J'ai parlé peut-être de quelqu'un qui va acheter une cuisinière pour son restaurant, son futur restaurant. Quand tu vas donner 50 000 pour avancer la cuisinière de 350 000, tout argent qui touche ta main, c'est l'argent de la cuisinière. Dès que ça entre, pap, tu donnes la cuisinière. Dès que ça entre, pap, tu peux donner. Dès que ça entre, pap, tu peux donner. Parce qu'il y a une, on a l'argent, c'est l'énergie. L'argent, c'est l'énergie. Donc, avant que ça ne vienne vers toi, il faut dire que tu as une idée de là où l'énergie là va partir. Quelqu'un m'a donné 500 dollars, après je lui ai prêté 1700 dollars. Il parlait chinois fort. Parce qu'il t'avait donné. S'il t'avait prêté, ce serait différent, ma chérie. Il y a une ici, elle te donne 25 francs. Sois sûr que le continent saura qu'elle t'a donné 50 millions. Tu demandes d'abord son argent pourquoi? C'est son droit. Elle ne manque pas. Tu as demandé son argent, non? Tu as demandé son argent, non? Ainsi, caprice. Ne demandez pas l'argent des gens. Tu dois savoir qu'il me faut telle somme pour faire ça. Ce qui fait que tout le mois de décembre, tout argent qui touche ta main, ça part dans tes choses. Tu vas voir qu'en moins de. Il te faut, tu vas acheter le taxi. Tu pars chercher le taxi, tu trouves. Tu avances. Même si c'est 100 000 et le taxi c'est 2 millions. Donne les 100 000, tu vas voir.
Tout le mois là, il me fait mon taxi. Dans la nuit, tu es là, tu te couches le lit. Taxi. Tu lèves le taxi. Tu te couches taxi. Tu lèves le taxi. Ma chérie, laisse. Dans moins de un mois et demi, tu vas payer ça. Même si ton revenu c'est 100 000 le mois, tu vas payer le taxi 2 millions là. Si tu doutes, ne fais pas le business avec ta soeur. Si tu doutes déjà, ne fais pas. Merci, monsieur Dumelo. Je dis aux femmes autour de moi qui souffrent de se lever et commencer n'importe où. J'ai même vendu du bois. J'ai vendu dans le pousse-pousse. J'ai fait des jobs dans les champs. Si je suis 7. Voilà. Je ne suis pas moi le genre qui donne l'argent. À qui on donne l'argent. Même l'homme avec lequel je partage ma vie, du coup, je me bats. De toute mon énergie je m'en, pour m'en sortir. Et j'ai vraiment la tête posée car je m'organise toujours à tout prévoir à l'avance. Ça, c'est très important. Très important. Très. Parce qu'on a des personnes qui vont... Comme j'ai bien dit, quand tu t'organises et que tu sais dans quelle direction ton énergie, c'est-à-dire ton argent veut partir, tu n'as pas de soucis. Du coup, tu ne parles plus. En parlant, tu ne dis plus. J'étais en Côte d'Ivoire, ça fait 3 semaines. Tu ne dis plus. Si seulement j'avais l'argent. Non. Tu dis que je reçois l'argent pour faire ça. Et tu, quand tu planifies tes trucs, tu dis ok, on va d'abord faire ça, après on va faire ça, après on va faire ça. Donc pour toi, c'est quelque chose qui va arriver. Tu me suis depuis longtemps et tu pratiques ce que je dis. Tu as un cauchemar 3 fois. Pour les cauchemars, je parle pas des cauchemars, je dis ni des rêves, rien de tout ça. Écris-moi inbox alors. Arrive-t-il aux gens qui ne remboursent pas les dettes des gens? Même les gens qui dépensent sur les maladies de leurs parents, là, je sais pas, de quelqu'un de ta famille, c'est parce que ton je sais pas comment on peut dire, il y a un chantage émotionnel qu'on te fait. Tu n'es pas assez stable émotionnellement. Et on ne dépense pas par... Parce que l'argent, quand tu n'as pas encore... harness en français, c'est quoi? Quand tu n'as pas encore maîtrisé le pouvoir de l'argent, c'est bien que quand l'argent vient, tu dis que peu importe, je veux faire le shopping, je veux la voiture, je veux voyager pour aller faire... Je vais aller à Dubaï, ou bien telle personne est malade, ou il y a mon oncle qui dit que sa femme veut accoucher. Voilà les possibilités là où ton argent pourrait partir. Maintenant, tu dois maîtriser le pouvoir de l'argent. C'est-à-dire que quand l'argent vient, ta soeur qui est malade là, si tu meurs aujourd'hui, ta soeur va faire comment? C'est comme ça que ça, je me rappelle, c'était en 2016. Non, début 2017. Que j'ai eu cette révélation financière. Je crois que c'était même une libération. Parce qu'avant ça, j'envoyais beaucoup d'argent en Afrique. Dès que j'avais un peu d'argent, j'envoyais à ma famille. Et puis, à un moment, j'ai commencé à faire beaucoup de... J'ai commencé à faire du yoga, j'ai commencé à faire de l'acupuncture. J'ai commencé à enlever les... Parce que j'avais une sorte de emotional baggage. J'avais un truc... Oh, attendez, trouvez les mots. J'avais une sorte d'attache émotionnelle avec ma famille qui faisait que pour leur faire plaisir... Dès qu'ils avaient un problème, ou bien dès que j'avais un peu d'argent, c'est moi-même qui allais appeler pour qu'on crée un problème pour me dire. Et quand je leur envoyais l'argent, j'avais la sensation de me sentir bien. C'est vrai que ça n'a pour certaines personnes, ça n'a rien de sens. Voilà, dépendance affective, thank you. Pour moi, je crois que c'était ça. Et ma valeur sortait de... Parfois, c'était comme si c'était pour me racheter. Like, I was trying to redeem myself. Et j'avais un peu d'argent, pouf, j'envoyais. J'ai commencé à faire, j'ai fait de l'acupuncture, ça a enlevé beaucoup d'énergie qu'il y avait en moi. J'ai fait quoi encore? Je faisais beaucoup de méditation. Et j'ai commencé à avoir un peu l'argent, je partais, je mettais moi-même mon argent sur moi. J'ai commencé à, j'ai commencé à remplir les trous qu'il y avait sur moi. On va appeler ça comme ça. Fill the gaps in my body. And... Je me rappelle, j'étais en 2017, je me rappelle clairement. Je me suis levée un matin, j'ai dit, c'est bon. Je ne ressentais plus le besoin de les appeler. Je ne ressentais plus le besoin de demander leur approbation. Ma chérie Nadine,
Va sur YouTube, tu écris comment utiliser le chapelet. Tu as compris? Ce n'est pas dans le direct qui va te montrer comment utiliser le chapelet qu'il y a dans le kit. Apprenez à chercher. Je vous ai déjà dit que pour mes clients, si quelqu'un cherche, il va être mon client. Client de consultation, client de mes produits. Si tu achètes un kit chez moi, soit quelqu'un que tu vas chercher. Si tu ne peux pas chercher, vraiment, on ne va pas faire chemin ensemble. Donc là, j'ai quelqu'un de ma famille qui m'appelle. Voilà, ma femme est malade. Il faut absolument l'argent pour faire telle opération. Et c'était dans une période où je venais d'arriver à Paris, j'étais en vacances. Et c'est la première fois en 5 ans que je voyais un peu le bout du tunnel. J'ai dit avec toute l'aisance, j'ai dit non, je suis désolée, je ne vais pas t'aider. Oh my God, je me souviens encore de ça aujourd'hui, c'était en 2017. I felt so relieved. Je me suis sentie tellement soulagée. Et j'ai continué ma vie. Je n'ai pas culpabilisé. Je n'ai pas. Oh, je me rappelle ça. C'est maintenant que je comprends que je reviens de loin avec ça. C'est peut-être la raison pour laquelle vous faites les Western Union tous les mois. Je ressens encore ça dans mon corps quand je vous parle. Et 3 semaines plus tard, j'arrive chez une de mes tantes. En fait, la personne qui m'avait appelé avait appelé au moins 5 personnes à l'étranger pour demander. Et elle disait, ah non, non, je suis en train de partir envoyer l'argent à telle personne. Telle personne m'a dit qu'il faut l'opération. J'ai dit, ok. Ok. Waouh. Waouh. Je me suis sentie vraiment fière de moi. Franchement. Quand j'en parle encore maintenant, je vous assure que même jusqu'à aujourd'hui, je peux facilement dire non à quelqu'un. Et je me sens pas mal. I don't feel bad. Je me couche la nuit, je dors. Je pars, je mange ma nourriture. Je pars dans le restaurant, je m'assois, je paye 10 000, je mange un petit truc, je sois. Vous parlez même pas. Imagine si sur les 5 personnes, tu as au moins 2 ou 3 personnes qui envoient la somme que la personne a demandée. Ça veut dire qu'à la fin de tout ça, c'est besoin de 250 000. 3 personnes envoient 250 000. Oh, aïe, aïe, aïe. Imaginez. Tu te vides de tes 250 000. Peut-être en envoyant 250 000, tu avais en tout et pour tout 600 000. La personne sur toi est 750 000, tu es sur toi 600 000. Non, non, non. 600 000 moins 250, ça veut dire qu'il te reste 350. Je reviens de loin. Hein. Je reviens de loin. Et je suis contente que ça s'est passé tôt dans ma vie. Parce qu'il y a des gens de 45, 60 ans qui sont encore dépendants. Comme la dame disait tout à l'heure que son père, sa mère ne peut pas s'empêcher de donner l'argent à son frère. Ah, ça me fait du bien, vous savez. Je comprends maintenant le blanc qui peut être milliardaire. Et tu as son frère, même père, même mère. Dans la même ville parfois. Son frère a une petite maison comme ça, là. Il ne mange même pas bien chez lui. Et le contraste, je sais pas, l'ironie, je dirais, c'est que son frère qui est pauvre, là, si tu vois bien, celui qui est riche a essayé de lui donner, ok, de le pistonner quelque part, le mettre quelque part pour qu'il travaille, le faire commencer un business, mais à chaque fois, il a fait échouer ce frère. Genre, ok, tu prends peut-être tes 500, mais tu ouvres un shopping pour lui, il fait foirer. Tu paies là, il foire. Après, celui-là a dit que tu sais quoi, laissons-moi tout ça. Je suis riche, tu es pauvre, on se voit à la réunion familiale, si je viens. Bonjour. Ah oui, ça va? Je suis content et fait le sasaé. Quand ça me prend, les gens de ma famille connaissent. Et je vais ce conseil, je dis que j'ai fait le OM à tout le monde dans le groupe familial. Celui qui veut, il envoie son numéro. Tu n'envoies pas. Envoyez mon secrétaire, va vous envoyer l'argent. Mais tu m'appelles, tu m'avais dit que oh, j'ai tel problème. Oublie. You will not have me. Moi.
Moi? Non, pardon. Tu as menti. Ouais, vraiment, j'ai des problèmes. Tes urgences ne sont pas les miennes. Tes urgences ne sont pas les miennes. Sur ce, j'ai un rendez-vous que pas 9h30. Il faut qu'elle parte. On s'est tous compris, non? Bon, je me sens soulagée ce matin. Oh, ça fait du bien. C'est la raison pour laquelle parfois tu. C'est un peu comme si c'est de l'auto-sabotage. Donc tu assumes tes choix, ma chérie. Prends le sugar. Tu assumes tes choix. Tu assumes tes choix. You own your choices. Quand j'ai fait mes mauvais choix et que ça m'a mis dans le pétrin, j'étais dans ce pétrin, personne n'est venu me sortir de ce pétrin. C'est au fond de ce trou que j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, oh, girl, you're not going to die here. Come on, pick yourself up. Je me suis sortie de ce pétrin. Mes victoires sont les miennes. Mes échecs sont les miens. Et je suis en paix avec ça. Inspirez un peu là. Inspirez un bon coup. Expirez. I'm happy. Leave me alone. Et quand vos enfants vont grandir, ça ira dans le sens de vos enfants aussi. Parce que vous avez des enfants à qui vous parlez, ils ne vous écoutent pas. Ils ont des enfants à qui vous parlez, ils ne vous écoutent pas. Je le dis à mes enfants. Oh, don't you worry. J'étais accouchée, non. J'étais nourrie, non. J'étais payée l'école, non. N'est-ce pas? C'est ton conseil, tu ne veux pas écouter. Je fais très rarement le garde-fou sur mes enfants. Je suis le policier. I don't do that. Je te conseille. Moi-même, je te parle de mes erreurs. Mes enfants connaissent tous mes erreurs. Ils connaissent. Je dis que avec ton père, j'ai fait comme ça. Là. J'ai fait comme ça. Là. Maintenant, si tu veux apprendre de ça, tu apprends. Si tu parles, tu parles derrière, tu fais autre chose. Ne te dérange pas. Je leur dis tout que j'ai à mon agent, non. J'ai à mon agent, non. Et je leur dis toujours que de tous les enfants que j'ai, celui qui m'écoute, ça se saura, ça se sentira. Parce que même moi, avec les enfants de mon père, c'est maintenant qu'on se distingue bien. Maintenant qu'on se distingue bien. Quand on fait les réunions, on se met tous ensemble chez lui, non? Oui, bonjour, papa. Parce qu'il y a certains parents que vous... Moi, j'ai subi ça en tant que parent. Parce que j'ai deux grandes filles. Une a 17 ans, l'autre a 13 ans. Parfois, tu parles. Il dit que, hey, je ne vais pas courir après. Je cours pour aller chercher l'argent dehors. Je viens encore à la maison, je vous parle. Vous faites comme si... Oh non, non. Vous êtes assez grande. Vous êtes assez... et moi, quand je suis avec les enfants, je ne suis pas... Oh, parfois, on va croire que je suis même bêtise ou bien étonne. Ah, tu as ton gars. Mamie, c'est qui? D'accord. Ok, c'est lui, hein. D'accord. Pas le gars que tu vas aller te cacher. Il dit que tu as besoin de te cacher. Donc, non, ni tout. Je vous montre l'endroit, le bureau pour travailler. Le week-end où tu as besoin d'argent, viens à l'entreprise, tu t'assois, tu travailles. Tu viens de travailler, tu peux dire à mon comptable que j'ai travaillé tel nombre d'heures, il te paye. Comme ça, tu sais que quand je veux l'argent, je peux aller travailler. Parce qu'il y a des choses parfois que vous ne mettez pas dans vos enfants. Maintenant, il y a une année où il y a une qui a échoué. Elle a pleuré. Oh, pleuré. Je la regarde et je dis que, mais attends un peu, ma chérie. Tu n'étudiais pas, non? N'est-ce pas? Étudie l'année-ci. Essaye d'étudier l'année-ci, tu vas voir. L'année qui a suivi, qu'elle a passé. Est-ce que moi, je te mets derrière elle? J'ai passé, je ne te mets pas de parole. Tu as étudié l'année-ci, non? Oui. Tu as passé, non? Oui. D'accord. Tu as vu maintenant? Tes résultats dans la vie sont les conséquences de tes actes. Apprenez ça à vos enfants.
Et moi, je pratique le détachement émotionnel avec mes enfants. Je ne mets pas le cœur, je ne mets pas les organes. Je ne mets pas les organes. C'est un nouvel enfant. Ma chérie, tu vois. Pardon. Quand l'enfant sera à l'université, tu seras derrière l'enfant. Quand tu vas la voir en banque pour étudier, tu seras belle. Hein? Quand il faut être rigoureux, tu fais les erreurs, je te fais payer pour tes erreurs, je te montre que tu as fait l'erreur ici, là. Et ce n'est même pas l'erreur, tu as fait, c'est un choix. C'est un choix. Parce qu'il t'a dit que fais comme ça, là, ne fais pas ça. Tu es parti, tu avais le choix. Tu as choisi de faire ce qui était qu'on a refusé, que j'ai interdit. Je ne, I don't care for that. Je ne paye pas pour ça. Donc, ce que j'avais dit que ne faites pas, ok, tu es parti faire. Et que j'ai dit que ceux qui ont, qui n'ont pas fait, qui m'ont obéi, je vais leur acheter peut-être telle chose ou le téléphone, je ne sais pas trop quoi. J'achète, je n'achète pas ta part. Et je t'explique que ce sont les conséquences de tes actes. Parce que vous savez que la vie n'est pas gentille avec vous. Ce sont les choses que mon père m'a. Heureusement ou malheureusement, mon père m'a appris ça très tôt. Quand j'ai eu 20 ans, je suis avec le père de ma fille. Je n'avais pas encore la fin de temps là. Mon père me dit, va à l'école, va à l'école. Le père de ma fille me dit, oh, tu n'as pas besoin de ça. J'ai dit à papa, papa, moi je vais aller vivre avec le père, mon copain. Hein. Je m'appelle distinctement, j'étais en Belgique avec mon père. Je suis assis avec mon père, il me dit, c'est ça que tu as choisi, tu es sûr? Je dis, oui, papa, non, tu sais, papa, moi je l'aime. Ni, 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 20 ans. Mon père m'a regardé, il m'a dit, si c'est ton choix, sache que. J'accepte ton choix. Un an et demi plus tard, je pars. Un an et demi plus tard, j'ai des problèmes, j'ai besoin d'argent. Mon copain dit, appelle ton père. Il avait appelé son côté, il a rassemblé le peu d'argent qu'il pouvait. Il dit, appelle ton père. Je crois que je connaissais un peu, j'avais un peu une idée de ce que mon père allait dire. J'avais 21 ans et demi ou 22 ans. J'appelle mon père. Voilà papa, nanana, ça n'a pas marché. Nanana, papa, est-ce que tu peux m'envoyer l'argent? J'ai besoin de. M'a dit froidement au téléphone. Tu te rappelles il y a 2 ans quand tu m'as dit que tu choisissais de partir vivre avec ton papa? Il dit oui papa. Il dit ce que tu subis maintenant, ce sont les conséquences de tes actes, de tes choix. Je vous assure que ça fait. Plus de 13 ans. Ça fait 13 ans. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore cette conversation dans ma tête avec mon père. C'est là que j'ai compris que quand tu choisis quelque chose volontairement dans la vie, et aller suivre un homme, aller dans un pays, tout dans la vie, si c'est le choix. Bonjour, la reine Christelle. Parce que malheureusement, on est toujours là parfois pour couvrir les erreurs de nos enfants. On les couvre tout le temps. Et nous-mêmes, on sait que personne ne couvre pour nous. Comme tu es là, qui paye ton loyer, si ce n'est pas toi? Lève-toi, ne peux pas travailler un peu pendant 2 mois, ma chérie. Fais un peu tes trucs là comme ça. Qui va payer ton loyer? Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris très tôt. Parce que les années qui ont suivi, j'ai souffert, j'ai détesté mon père. Ouh, quand les gens me voyaient, mais pourquoi tu fais ton père l'argent, non? Pourquoi tu dis... Ah, le père là, il est méchant. Regarde, comment il peut laisser sa fille souffrir comme ça là? Je vous assure, ça fait au moins 3 ans que j'ai compris mon père et que j'ai pardonné à mon père. Je ne devais même pas d'abord être fâché avec lui en premier lieu. Mais que j'ai compris mon père. Et après, j'ai commencé à. J'ai remercié mon père pour cette leçon. Oui. J'ai remercié mon père. Parce que je pense que s'il m'avait toujours donné ce que je demandais, ce que je ne serais pas en train de vous parler comme ça là. C'est que vous avez maté ma vous asseoir pour m'écouter. Parce que j'ai passé des nuits noires. j'ai des nuits que j'ai passées dans les cellules. Donc j'étais en cellule une seule fois, pas dans les cellules, mais dans une cellule une fois. Et c'était sous les conséquences de mes actes. Je me rappelle quand il faisait froid, c'était en France. Jesus. Et il te donne un truc en aluminium comme ça, là, pour te couvrir. Pas de couverture, mais on te donne un papier bizarre en alu. Yes. Ça n'aidait pas du tout. Et il y avait un fou dans une des cellules là qui criait toutes les 2 secondes.
Je reste comme ça, je dis que look at me. What the heck am I doing in here? Qu'est-ce que je fais ici dedans? Non, non, je m'étais mis avec un gars qui était, avait fait un faux truc. On l'a arrêté comme je vivais avec lui. Voilà, on m'a aussi pris. J'ai dit non, this is not, ça c'est pas moi. Ça ce n'est pas moi. Ça ce n'est pas moi. Quand le matin on nous a sorti que non, c'est bon, vous pouvez rentrer. J'ai dit c'est bon. C'est bon. C'est comme ça que ça fait. On n'a même pas fait. Quand on a fini cette situation-là, on n'a même pas fait 4 jours, on s'est séparés. J'ai dit que tu sais quoi, papa. Parce qu'on se dit non, ça va aller, ne t'inquiète pas. Tu vas voir. Ah, 2 jours plus tard, je vais encore te faire la même chose qui nous a mis d'abord en cellule. J'ai dit que non. Je ne peux pas payer pour les actes des autres. Je préfère payer pour ma part que j'ai pris consciemment. Je vois, c'est à partir de là que j'ai commencé à prendre mes propres décisions. Je me suis dit, si je dois merder, ou encore si je paye les résultats de mes actes, autant mieux que ce soit des actes que moi-même j'ai choisis. J'ai décidé que quand il dit que non, ou je dis oui, je me lève, je pars, je fais. Là, j'avais voulu. Ce qui fait que le jour où ça rame, comment on dit chez nous que ça rame là, le jour où ça rame, je sais que j'avais choisi. Tu pars, tu fais, après l'enfant entre. C'est toi qui avais choisi, non? Tu étais parti, tu as ouvert tes pieds, non? C'est ça, assumer ses actes. Tu assumes les conséquences de tes actes. Tu n'accuses personne. Quand tu es couché là-bas, ça te dérange. Ton ventre te fait mal. Ou bien tu n'arrives pas à nourrir l'enfant. Oh non, le père de l'enfant, si. Non, ma chérie. Tu avais choisi. Tu avais choisi. Ça, c'est l'une des règles aussi du succès. Ça, c'est l'une des règles du succès. Tu ne peux pas arriver à un niveau, à un haut niveau financier, si tu ne peux pas assumer tes actes. Tu arrives quelque part, tu dis que c'est ma faute. On dit, mais pourquoi tu as échoué? Non, c'est ma faute. Non, vous savez quoi? C'était moi. Non, non, c'était mon oncle, c'était mon ex, c'était mon père. Non, 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 non. C'était moi. Après, on dit, hé. Non, sérieux, c'était moi. Je me rappelle la nuit là. Sa bouche était sucrée, il parlait tellement. Qu'elle m'a fait l'amour la nuit là. Le lendemain, j'ai porté seulement mes 8000 euros et lui ai donné. Oui, c'était moi. Oui. Pour la plus, tes 8000 euros, il a disparu, non? N'est-ce pas, ma chérie? C'est ça. Beaucoup de problèmes spirituels que vous avez viennent de vos pensées. Ça vient de vous-même d'abord. C'est pour ça que quand on soigne, on soigne le physique, on soigne le spirituel, on soigne le mental. Quand tout ça commence à s'aligner, tes paroles vont commencer à changer. Tu vas commencer à bien parler. Tu raisonnes, tu parles, et ce sont tes paroles qui attirent vers toi. C'est tout ça est lié, hein, tout ça est lié. Il y a des jours, je dirais, c'est que les thérapies. Mes directs sont que les thérapies. Oui. Parce que quand tu m'écoutes comme ça, tu dis, Non, c'est vrai, je me rappelle la fois là, en 2005, là, où j'avais merdé là-bas, quand même. Ouais, ouais j'avais merdé. Parce qu'il y a certains de nos enfants, tu as l'enfant à la maison comme ça, mais quand tu repenses à ta relation avec le père de l'enfant, il y a toujours un petit truc. Tu dois te détacher de ça. Tu dois te détacher de l'émotion. J'ai choisi, je suis allé, j'ai foutu peut-être la merde, ça a donné cet enfant. Ok? Toi, tu n'étais pas une erreur, les actes que j'ai peut-être commis avant ça, voilà. Et ton père peut-être, je ne sais pas, parce qu'il y en a parmi vous, peut-être le père de l'enfant, tu n'es plus avec la personne et vous ne vous parlez même plus. Certains pères de vos enfants ont disparu dans la nature. Dis à l'enfant que quand tu l'as rencontré, quand tu as rencontré son père, tu savais que le monde n'était pas sérieux. Ma chérie, ce n'est pas toi qui fuis. Il a toujours été comme ça. Donc comme je suis partie concevoir, c'était de ma faute. Mais toi, tu n'es pas une erreur. Parce que c'est le truc que les Noirs ne parlent pas. Les Noirs n'aiment pas parler de choses comme ça. Les Noirs n'aiment pas parler de choses comme ça. Hey! Non, c'est pour les Blancs. C'est les Blancs. Nous-mêmes, les Noirs, on allait en thérapie. On allait faire des thérapies. Parce qu'on a les bagages. On a les bagages. On a les bagages. Les abus sexuels, alors. Et le jour où je commence à dire, c'est pas les abus sexuels, alors c'est grave. 98% des femmes ici là, que quand tu as fait les attouchements, ou on t'a violé, ou bien tu avais un cousin qui te violait, ou bien tu avais le père de. Il y a eu quelqu'un. Ça met les bagages, ça met les émotions, ça met les attachements, ça met les trucs. Maman, on est. Pour guérir là, c'est chaud, hein, c'est chaud.
Je vous assure. Je vous assure. Mais on va y arriver, hein. On va y arriver. On va y arriver. C'est pour ça que certains des abus-là vont faire que tu te retrouves dans des relations où tu choisis toujours un genre de gars qui va te faire souffrir. Donc c'est que ça qui t'attire, c'est que ça que tu veux. Dès que tu pars là-bas, ça te gifle, bouh, tu reviens encore, tu dis, oh oui, tu pleures même 2 ans. Après, tu repars encore vers la même chose. Tu dois comprendre qu'il y a quelque chose en toi qui aime ça. Tant que tu ne guéris pas la chose et que tu n'acceptes pas que ah, c'est dû à ça. C'est ça. Bon, je dois sortir. Bye bye. Bon, je ne viens pas moi vendre les produits aujourd'hui. Il n'y a moi rien fait. Les amis ont fait la thérapie aujourd'hui. Mm-hmm. Bon. Ah, c'est une très bonne journée. On va supporter seulement les lions, peu importe pour l'autre tout à l'heure. On va seulement que les supporter, ok? Il faut n'importe quoi les supporter, ok? Ils vont gagner. Bonne journée à vous. Au revoir à TikTok. C'est pas évident, hein. Je vous le dis, c'est pas évident. C'est vrai qu'on parle comme ça là. Pas évident. Surtout qu'on est déjà grand, on a les enfants, on se dit qu'on est déjà guéri ou bien qu'on a besoin de personne. Mais il y a certains faits qui sont là. C'est là. Ok. Vous aussi, je dois vous dire au revoir. Ok. Agnès, au revoir. Nanette, au revoir. Léa, bonjour.